Salut tout le monde, c'est Yamaro. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons ouvrir ce petit truc. One Kill saison 3. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc on va essayer de l'ouvrir. Moi j'ai qu'une main. Et voilà. Oh là là. Déjà, on a une petite casquette. Voilà. Nickel. Après, nous avons les chaussettes. Ça tombe bien, je suis pieds nus. Oh là là, voilà, là ça sent bien le SDF. Là l'odeur elle est bien SDF, moi, ouais, ça sent très bon. Donc après, on a une petite boîte où on peut mettre les cartes. Très stylé. Voilà. Là on a un scoreur, bon, on s'en fout. Ah, ça c'est intéressant, les sleeves. Voilà, sans sleeve, hein, voilà, donc mode astronaut, voilà. On dépose aussi, voilà, le score. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des stickers, bon, on va voir ça. Rien d'autre. Nickel, ça on garde là. Nous allons voir ça par ici, voilà. Alors là, on a un cowboy. Ça, c'est Red Dead. Ok. Ok, c'est philosophe. Pour Red Dead un peu. Cowboy. Link. Négro. Donc après, là nous avons un carton. Qu'est-ce que c'est que ce carton? Je ne sais pas, je vais le mettre là et je vais l'ouvrir après. Ici, pas le display. Le booster en or. Précieux. 7A, il y a d'autres stickers. J'ai pas la ref. Terracide. Link. Truc. Bon. C'est. Ils ont pas fait comme les gars. Bon, on a compris. Et Poudlard. Il y a le classeur. Voilà. Et ce que j'aimerais déballer et que je vais remplacer par celui-là. Là. Je vais prendre celui-là parce que... Oh là là, incroyablement stylé. Il y a encore d'autres choses. Ah oui, bah oui. Je suis ici, ouais. On a les règles du jeu. On connaît. Et voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre. Moi, je ne connais pas. Tiki d'or. On va déballer. Voilà. Oh là là. On retourne. Oh là là. Bon, je vais déballer tout ça. Je vais un peu ranger tout ça. T'es marrant. Pour l'instant, je vais te dire, celui-ci, c'est le meilleur. Alors, t'as là-bas celui-là et t'as l'autre qui est dans ma chambre. Mais celui-là, c'est le meilleur qu'ils ont fait. Hein, bon, on va mettre ça là. Celui-là. Moi, je te dis. Et bam, la transition. On a sa poubelle. On connaît la poubelle. Il nous reste ça. Bon, moi, je vais m'asseoir. Hop, les. Et il nous reste. Au revoir, ça. Oh là là. Voilà. Tiens. Zombar. On l'ouvre, ticket d'or. Non, alors, hop, ça on va déposer ça là. On s'assoit. Et de ticket d'or. Voilà, alors. Ça, je sais déjà ce que c'est. Parce que j'ai regardé la commande. Sur... Moi je vais l'ouvrir. Comme ça. Bien. Voilà. On va poser ça là. Ça, on l'ouvre à la fin, bien sûr. Et là. On va devoir s'attaquer au colosse. A partir de maintenant, en haut à droite, vous aurez le nombre de boosters que j'ai ouverts et auxquels je suis en ce moment. Et sinon, je vais pas mettre non plus tous les règles, donc vous aurez un petit accélérateur. Ou soit je couperai, je vais voir ce que je fais. Nickel, je l'ai ouvert, j'ai pris 2 ans à ouvrir. Mais c'est pas grave. Donc là, on met comme ça. Et là, regardez. Et on... Voilà. Tous les boosters là. Alors... Je vais pas essayer de les compter pour voir. Oh bah nickel, c'est ok, on va commencer par quoi. C'est ces cartes là. Donc voilà. Alors normalement, non, ils ont mis les bords blancs. Ils ont dit normalement ça s'ouvre plus facilement. Et je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Alors attends. Et je sais plus. Je crois qu'il faut juste retourner comme ça. Ah yes, collectionner la battle. Et on commence avec chasse de la forêt. Voilà.
Voilà, on a qui à téléachat, ok. Bon, moi je vais pas les lire. On est là pour ouvrir le golfeur. Vitrail. Ah, il est en train de bugger sur le truc. Donc c'est pas philosophe. Sponso, avec les cartes en cul. Hunter Redneck, ok. Orti, ok. Gustavo, ok. Étoile, d'accord. Et. La probabilité que je tombe sur un or sur mon premier booster. Putain. Alors lui, je sleeve, mais direct. Hop. Bon, on peut dire que ils ont garanti. C'est quoi la probabilité que je tombe sur une légendaire? Oh, regarde, je... Et putain. Mais attends, je vais le mettre dans le truc. Oh, attends, faut faire doucement. Zéon. Voilà, voilà. Ouais, j'ai mon PC qui chauffe à côté. Mec, je promets, regardez, voilà. Ah, là, il y a tous les boosters. J'ai ouvert un booster, ok? Et j'ai un légendaire or. J'ai le plus rare, là. Je viens de pack en un booster le plus rare. C'est quoi cette probabilité, frère? C'est pas un crime, non, ok. Guerrier samouraï. Donc là, j'ai... Non. C'est quoi, c'est... C'est un bronze, ok. Ok, quand même. Vrai espion parmi les survivants, cependant très nul quand il faut. Et imiter un russe en radio. Ok, belle réflexion. Putain, mais c'est deux légendaires, frère. Et il monte pas sur la marchandise, hein. C'est très peu. Parc d'attractions. Oh là là. Ça, c'était l'époque Minecraft. Surfeur à nouveau. Ah, Zizou. La vérité, c'est qu'il a voulu écraser avec sa tête le moustique qu'il avait vu sur son torse. Alors, je veux pas les critiquer, hein, mais là, c'est Zizou. Là, on est sur la finale 98 et le coup de tête, c'est 2006. Voilà. Petit truc. Bodybuilding. Oh, le dragon holo qui est très très stylé. Oh, j'avais déjà montré que le dragon normal était stylé. Alors en plus, mon holo, pour oh, là, il est très stylé. T'es DJ Polo. Oh, c'est un gagnant du ticket d'or. D'accord. Quelqu'un a voulu s'emparer de son ticket d'or. Depuis, il n'est que vengeance et désolation. Waouh. En vrai, il est bien fait. Hein. DJ Polo, voilà. GG pour ton ticket d'or que tu as eu. C'est le 8e. Donc, il a eu le 3e ticket de la saison 2. Bah, je vais te mettre là parce que tu le mérites. Le drame. Emo, aha, tiens, Emo. Ah, bon, bon, vous avez le droit de mettre moins un. Et non, mais tu te fous de. Ah, c'est une bronze, ok. Mais c'est la suite, c'est Vitrail, mes frères. Troisième légendaire. Il est incroyable aussi, celui-là. Mes frères, mais... Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est ma troisième légendaire. J'ai eu... Aussi, parce que je sais à chercher des hommes.
Voilà, je suis désolé. Hop, et là c'est recharge. Ça c'était le one clash. Ça c'est l'autre Echo, c'est le Link. Barthez, personne ne le sait, mais sa stratégie de tir au but c'est Amstramgram. Alors, pour 98, automobiliste, bon lui il va le buter. Voilà, oh ce jeu il est incroyable. Tricky sourcière. Giga Shad, vous êtes jaloux, c'est normal, moi aussi, à votre place je le serai. Oh, Terra 6, oh, belle ref. S'il est tombé dans l'assiette de poulet avec des pommes de terre sautées quand il était petit. Ok. Hunter Sister, je crois que je l'ai déjà vu. Paléontologiste. Et oh, Bom Lennon, hein. Qu'est-ce que... Hein. Guest. Ah oui, ok, c'est... Ok, oh là. Je comprenais pas. Bom Lennon. Waouh. En plus, j'aimerais avoir la carte normale, mais Lolo, elle est aussi stylée. Et c'est... Oh, oh la ref. Oh la ref du château ambulant. Si je dis pas de conneries, mais c'est une très belle ref. Elle est très méchante, cupide et désagréable, mais d'une telle beauté. Shérif de l'apocalypse et oh gladiateur UR1, il est quand même stylé, hein. J'aimerais quand même avoir son nom est Merminus Nabilus Puritus, je crois. Il aura sa vengeance. Oh. Ouais, si ce n'est pas vraiment un policier, s'il dit qu'il va vous embarquer, alors fuyez parce que ils sont gays. Voilà. Holographique rappeur. Oh là là, il est incroyable, stylé. Voilà, il a la thune, plus 20, plus 1. Il voudrait ses pourcents. Est-ce que quelqu'un a vu foutu ses... A vu ses foutus pourcents. Voilà, Giga Chat cette fois de lingue. C'est pas permis d'avoir une mâchoire pareille, c'est de la triche. Il faut se la muscler. Ah ah, nous avons commandant allemand, hein, on lui a volé son goûter quand il avait 10 ans et maintenant il faut... Il le fait payer à tout le monde. Lolo a une doublette quand même. Le rappeur Lolo. Oh, Dead Cowboy. Ah d'accord. Je crois que c'est du dessin. Bon, on va essayer de voir. Sur et Bom Lennon en nous. Bon, franchouillard avec le bon bidon. Et bah alors, Amy, on tombe pas amoureux de lui. Hein. Bien sûr, accordéon. On a l'autre là-bas, devant la tour Eiffel. Et les petites tours Eiffel. Ah non, c'est un mime. Les petites tours Eiffel à 150 euros. Ah, vous connaissez notre France. Ah, alors, peut-être l'autre, Amy, ça serait bien pour voir juste si c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, il y a un moins 10. Voilà. Lui, t'es mime direct. Et bah, il est magnifique ce dessin. Il mérite d'être exposé. Bravo, mon fils. Citation anonyme. Je pense soit c'est son daron, soit c'est lui-même, ou soit c'est son fils, je sais pas. Mais c'est Terracy qui a dessiné. Moi je te le dis, je te le vois, il est très bien dessiné, mon Ray. Il est très joli, hein, vraiment. Tu vois, celui-là, oh, il est magnifique, frère. Faudrait que tu le mettes au Louvre, sache-le. Et la petite maison 3D que tout le monde on a fait en art plastique, on le connaît. Dionysos, voilà, c'est un roi qui beaucoup, énorme de faire à quoi la pitole, Hiroshini de 5 à 20, Dieu l'ancien, voilà qui n'a pas, ok, peut-être que je l'ai mis 2 semaines dans ma table, mais lui, il l'a envoyé au balcon de mon chat, c'est vrai, d'où il vient de vous. Et Cyprien en Nolo. Ah, faut que je me suis là, 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 je
Vous connaissez le type au masque à gaz? En gros, c'est un type qui a un masque à gaz. On dit que tu es le type au masque à gaz. On dit qu'on t'appelle l'homme au masque à gaz. Est-ce que c'est parce que tu as une veste ou que tu as un masque à gaz? Voilà, pour une petite légendaire. Une petite légendaire, ça ferait aussi très plaisir. Tu te fous de ma gueule. Alors attendez. C'est une légendaire. Alors, c'est peut-être celle que j'ai déjà parce qu'il y a le ciel. Mais je ne voudrais pas avoir une double légendaire. Une bronze, voilà. Donc c'est une légendaire. Douanier télé, achat, français, samouraï, Bob Lennon, Cyprien. L'entonogue est là. Le mec. Mais mec, mec, c'est quoi cette proba, frère? Mais j'ai les deux cartes les plus rares. J'ai les deux légendaires or. Mais mec, mais... Je n'ai pas les mots. Nous allons terminer par ça. Après, c'est deux masterclass des légendaires. Nous allons découvrir 4 des 8 légendaires exclusifs que Booster Gold qui est disponible sur le pack. Ah, ok, donc ils mettent... Voilà, donc la première légendaire, c'est Terracid Gordon. Voilà. Deuxième légendaire, c'est Alexis. Oh, ok, donc j'ai les deux qui s'enchaînent, voilà, nickel. Et donc après, nous avons Viking et nous avons Singe. Nous avons 4 des 8 or que nous pouvons avoir. Heureusement, peut-être qu'il n'y avait pas de doublon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quand même un peu de temps, peut-être le montage aussi, je ne sais pas encore à l'heure où je tourne, mais voilà, nous avons eu vraiment la meilleure chance. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu autant de chance sur un pack opening. Hein. Bon, bien sûr, il y a les cartes 4 légendaires, mais quand même avoir 4 légendaires et dont 2 légendaires or, ça m'était jamais arrivé. C'était Yamaro. On se retrouve pour bien sûr d'autres pack opening et bien sûr. La Kiterastit, si vous voyez ça, j'attends la prochaine saison. Ma chance, je l'espère, l'avoir pour une prochaine saison ou même pour les saisons d'avant, peut-être la S2, parce que je n'ai pas encore fini. C'était Yamaro, ciao.